Croyez à la grâce. Et aussi le cœur d'adoration, je crois. Cœur d'adoration, le bon berger. Le bon berger, mais la cœur d'adoration, il y a Dieu dans. Nous avons parlé toute la semaine d'un grand sujet que nous devons arrêter aujourd'hui. Non abandonné à soi-même. Tu n'es pas abandonné à toi-même. Je ne suis pas abandonné à moi-même. Toi, tu n'es pas abandonné à toi-même. Moi, je ne suis pas abandonné à moi-même. En dépit de ce que tu traverses et de ce que je traverse. Ce que tu connais, ce que moi je connais. Ou des fois nous sommes arrivés à dire trop vite, Dieu m'a abandonné. Dieu m'abandonne. Mais avec les intervenants, chaque jour, on a dû démontrer que l'abandon de Dieu, comme nous considérons comme un abandon total, n'est qu'un abandon apparent, insensé. Abandon, mais la réalité c'est autre chose. Beaucoup de sujets ont été traités ici. Tu as beaucoup enterré, tu l'enterreras plus. Dieu est l'innovateur, il fait toujours à nouveau. Il avait fait avec cela, il le fera encore aujourd'hui et il fera au-delà de fois de ce qu'il a fait avec les autres, avec toi. Tu n'es pas celui qui est appelé à toujours enterrer le mariage, enterrer les fiançailles, enterrer le voyage, enterrer les affaires, enterrer et enterrer encore. Non! On bien ngama te pona ko kundaka biloko na yo makambu na yo na makambu ebele te o bien ngama pona yango. Est-ce que tu ne seras pas appelé la pleureuse, la délaissée? Mako bien ngama yo te mon lelipe mutu asundola ma. Toujours celui qui pleure parce que Dieu va faire de toi. Tango nyoso zole na lela et nzamba linga komisa loko na yo esengo. Alléluia. Amen. On a parlé. Tolobaki. Jésus est toujours imité mais jamais égalé. Satan a essayé d'imiter Jésus. Satan a essayé d'imiter Jésus. Mais il ne l'égale jamais. Les sorciers ont essayé d'imiter Jésus. Mais il jamais. Les magiciens imitent Jésus. Mais il n'égale jamais. Les féticheurs imitent Jésus. Mais il n'égale jamais. Les démons imitent les anges de Dieu. Mais il ne l'égale jamais. Ils essayeront à t'imiter. Mais ils ne t'égaleront jamais. Toi c'est toi. Et il faut que tu sois fier de ton identité. Bien aimé dans le Seigneur. Nous voulons terminer aujourd'hui pour dire. Cette fois ici ou jamais. Dites à ton voisin cette fois ici ou jamais. Dites encore, cette fois ici ou jamais. Cette fois-ci ou jamais. Pour ma situation, cette fois ici ou jamais. Ponali kamunanga, malotote. Pour mon problème, cette fois ici ou jamais. Jamais, oh yes. Ou jamais. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur parce que le frère Joseph vient de chanter déjà ce passage que je dois donner. Na pamboli zambe po papa José a otoyé marija passage oyo na linga kitotanga. Je commence par Genèse avant de lire les deux autres dans le Nouveau Testament comme il a chanté. Na tangi na mokanda na ibandeli avant que na tanga msusu wana sayembi. Genèse 32. Mokanda na ibandeli tukumisatu na mibale. Genèse 32 verset 22. Molongo na tukumibale na mibale. Jusqu'à 32. Avant de prendre Matthieu. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gueux de Jabbok. Il le prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore.
voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Alléluia. Amen. Le soleil s'éleva lorsqu'il passa Peniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour donc, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est en l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Amen. Matthieu 9. Okandana Matai, Mukapona Liboa. Matthieu 9, 19, 18 plutôt. Molongo la zone na Mwambe. Tandis qu'il adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosternant devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici qu'une femme, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Elle se disait en elle-même, si seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Donne-moi ton micro. Et voici qu'une femme, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puisse seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit à la femme, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Amen. Et je veux parler aussi justement de Bartimée dans Marc 10. Vous pouvez le voir à la maison. Prenez le temps que nous gagnons. Vous allez lire à la maison. Cette fois ici, plus jamais. Maloyo toté. Pour mon problème et pour ma situation. Cette fois ici ou jamais. Maloyo toté. Pour ma santé, avec cette maladie, cette fois ici, Maloyo, ou jamais, toté. Mon mariage a toujours avorté. Simba, cette fois ici, Maloyo, ou jamais, toté. C'est moi ici, Sanzoyo, ou jamais, to yangote. Cette année ici, Muloyo, ou jamais, to yangote. Pour mon chômage, bonna kozanga musala. Ça tellement duré. Et oumeli, cette fois ici, Maloyo, ou jamais, toté. Cette année ici, Muloyo, ou jamais, toté. Ça, c'est la détermination et la décision de quelqu'un. Oh, ils ont Bamba. Tout prix. Bamba, pe mokano ya mutu azondima. Azo tingama. Tu vas tout plus vivre la main du Seigneur et les changements. Oh, azo tingama et enzamba sala pe lo kasike mo lisama. Mes chers frères dans le Seigneur. Olinga minangai. Ceux qui ont beaucoup d'étudié. Oh, bebe atange bele. Avec leurs enquêtes et leurs recherches. Alors, lenga na banga koluka luka. Ils ont dit. Balobi boe.
que avec les études, les diplômes, et les gens réussissent dans la vie à 15 ou 25%. Mais avec le courage et l'adhésion, voilà, les gens gagnent la vie à 75 ou 75% à 85%. Tu peux avoir les diplômes. Yes. Et ceux qui ont des diplômes, c'est souvent à 15 ou à 25% qu'ils gagnent leur vie. Donc moi, nambo ne bango ba longa na mokili. Avec les diplômes ou sans diplôme. Parce que zana ngoto zangiango. Mais si tu es courageux. Ce qu'osan zunzu. Si tu es déterminé. Ce qu'osan bamba. Tu es capable de gagner la vie à 75% ou 85%. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pourquoi nous disons cette fois ici ou jamais. Diplôme ou pas diplôme. Nazana diplôme toté. Né d'une famille riche ou non. Nazana liboté bazutosté. D'une famille connue ou non. Na yebana liboté na ngototé. Je suis capable de gagner la vie et de faire l'œuvre. Alléluia. Amen. Les José qui font le voyage ici et là, le Kwena Vutuka, l'Emputu, tout ça est ici, dans la ville, dans le pays. Il est ici, dernièrement, il est encore à Lubumbashi, aux autres, tout ça. Ils ne sont pas les docteurs A. José, Bazo Tambo, la bisika na bisika, Azate, docteur na. Les sœurs Lorumbong ne sont pas des docteurs A. Ba docteur sœur Lorumbong baza ba docteur na likamusongolo boite. Le frère Emenkanu qui était avec nous hier, il n'est pas docteur A. Emenkanu za ina bisolobia waza docteur na likamusongolo. Vous pouvez continuer la liste. Okoki otanga ba kombo ba tweza mulai. Le courage, bamba, la détermination, le bamba na yo, avec Jésus, na Yesu, même si on pouvait rire, atabuko seka, rire, se moquer de lui, qu'importe, mais ils étaient déterminés à ce qu'ils faisaient, bamba na ngayo yo, déterminés avec le bamba Seigneur, na ngayo na kolo, marcher avec le Seigneur, bamba yo na zambe, et ils ont gagné la vie. Bazo kende, bazo douso la biscuit, bazo douso la thé. Alléluia. Oh yes. José, est-ce que tu continues encore à manger du riz avec de l'huile seulement de pain? Papa José, n'habite mboula ni nous sur la loso na bafuta mbila. Il mangeait du riz avec de pain. Kalabandolia loso na bafuta mbila. Mais aujourd'hui, il ne mange pas comme ça. Le loyo ezagumora kala. Jésus a changé le statut. Yesu a changé na rolia mutu. À cause du courage et de la détermination. Pona nzunzu pe mbamba no. Du sérieux dans ce qu'il est en train de faire. Pe alima na bakambo zo sala. Les gens peuvent minimiser cela. Batu bakoki omona ngo pamba. Les gens peuvent déconsidérer cela. Batu bakoki omona otina te. Ils peuvent te déconsidérer. Bakoki omona otina te. Mais le sérieux que tu mets. Kasi lo lengo zo zuma kamba. La détermination pe mbamba na yo. Le courage. Pe nzunzu na yo. On te confie au Seigneur. Alléluia. Demain tu ne seras plus la même. Love your cause as ndenge mo kote yes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Oh glory. On l'appelle le wera des chrétiens. Ba benga ke wera ba chrétiens. Les wera qui sont en train de faire les affaires ici, ce sont les yangouins. Ba wera oyo sango yo sale me pas makambwa ba uta. Ba uta. José était un yangoué parce qu'il vient de Boma, Boma tracien. Yepe auta Boma, auta ne Boma. Moi je suis un ngouin. Ngai pe na za yangouin. Mais le courage, Kassin, mbam, zunzu, la détermination, mbambananga, le sérieux avec le Seigneur, la limana bakamulanga, est en train de nous faire. C'est pourquoi je dis cette fois ici, jamais. Tote. Dites en toi-même cette fois ici ou jamais. Milo bela mbalo, tote. Tande ngozo lo bango. Dites encore bien. Lobasusu. Très fort. Cette fois-ci ou jamais. Cette fort encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Oh yes. Oh yes. Jacob a volé. Jacob a hibi. Le droit de naissance de son frère. Boye kimokolo yanae. Il l'a trompé. Akosie. Il fuit.
Akimi. Vers son oncle là-bas. Et pas nous connaît là-bas. Là, 14 ans, il travaille pour prendre les femmes. Si Mamboula Zomina Mine a Yekozwa moi 6 ans. Les femmes, Léa et Rachel. Abali, Rachel na Léa. Encore 6 ans, il a travaillé comme berger de son beau-père et son oncle. La Bible dit, son oncle qui a été aussi son beau-père, a mangé son salaire 2 fois. Il l'a trompé, Les trompeurs, Voilà. Il avait trompé son beau-frère, son oncle le trompe lui aussi. Trompé, tu seras trompé. Kosaka, yo pe ba okosa yo. Pillé, tu seras pillé. Yo buka mukoza ba buka bilona. Volé, tu seras volé. Yebaka ibaka mukoza ba ibo. Tuyé, tu seras tuyé. Bon, maka mukoza ba bomape yo. Est-ce que je dis à quelqu'un ici? Amen. Et voilà, Dieu intervient pour sa situation. Parce que Dieu lui a dit, je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Jusqu'à ce que j'aie accompli ce que je t'ai promis. Dieu intervient. Il l'a enrichi. Laban et ses enfants se fâchent contre lui. Et Dieu dit, quitte. Il est en train de rentrer. Et finalement, il arrive à quelques mètres de son grand frère Esaü. Il a 20 ans après. Il dit le mal que j'ai fait à mon grand frère. Et maintenant, je rentre dans sa contrée où lui, il est en train de régner. Il fait la loi. Mais il va me tuer. Il a eu peur. Il a prié à Dieu comme jamais on a prié. Oh Dieu de mon père Abraham. Oh toi qui m'as promis, qui m'as dit je serai avec toi, et qui m'as dit rentre. Seigneur, mon grand frère est là. Alléluia. 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 Amen. Dieu dit non, avance. Quand il avance un peu, il rencontre un camp des anges. Jacob avec son équipe est en train d'aller vers une direction. Jacob na équipe na yebazo kende kuna pe. Il trouve un groupe d'anges qui vient aussi. Akuta na lisanga ba ange bazo ya pe. Et Jacob dit ah. Jacob bien. Mahanaim. Oh Mahanaim. Ici. Awa. J'ai trouvé 2 camps. La moni, les camps des anges. Vous ne comprenez pas qu'est-ce que ça voulait dire. Parce qu'il avait peur. Et il a crié à Dieu. Dieu a fait passer les camps des anges. Pour lui dire, tu ne pas seul. Est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne pas seul. Malgré ce que tu trouves. Malgré ce que tu traverses. Tu ne vois personne à côté de toi. Moi je te dis que je suis avec toi. Regarde le groupe d'anges qui marche avec toi. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Gloire à Dieu. Ça c'est la situation que Élisée et Géasi avaient trouvé. En face des Syriens qui venaient en guerre. Et Géasi a eu peur. Oh mon Seigneur. Okolanga, que ferons-nous? Élisée a dit tais-toi. Élisée a dit là, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Oh, bazana biso ba leke bele ko le kabatwana. Et il a prié Dieu. Abonde Élisée. Ouvre ses yeux. Fongola misune. Tu as ouvert les yeux. Naba fongola misune. Géasi. Géasi. Il a vu. Zamoni. Des chars de feu. Amoni makalona. Des chars de feu. Des anges avec des chars de feu. Bah, et Géasi a pris courage. Il dit les Syriens ne nous seront rien. Tu ne pas seul. Même si tu ne le vois pas encore. Mais ils sont avec toi. Les anges de Dieu. L'armée du Seigneur. Est avec toi. Et t'accompagne. Et marche avec toi. Et ne t'abandonne pas. Alléluia. Gloire. Il prie. Et finalement il envoie une équipe pour une ambassade pour aller trouver son grand frère. Et vite il revient. Ton grand frère est en train de venir avec 400 hommes. Babi yano azuana ba tu koto mine. Oh la kufinanga yo. Alobi, oh je suis mort.
400 hommes et Saoul, donc il vient m'achever. Il veut se venger. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh